Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 22e épisode du Let's Play sur Far Cry 4, de retour à l'aéroport pour aller voir Willis. Ah bah oui, on va du coup continuer avec Willis et ses missions. Bah il est direct dans l'avion, calme. On va monter avec lui, c'est donc ça ce qui nous attend? On va voir, on ne tarde pas. Ça sert à rien. T'as oublié que t'étais américain? On frappe avant d'entrer. Où est le journal original? Je te l'ai dit, plus tu bosseras pour moi et plus je t'en dirai sur ce que t'as entre les mains. Allez. Et monte, je vais te donner un avant-goût. Considère ça comme un à-compte. Très bien, je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était devant une bouteille de scotch dans un bouge sordide à Tirta. Il bossait encore pour Pagan Min à l'époque, les yeux tout humides et brillants. Quand Min a buté l'héritier du trône du Kirat, ça a chié des bulles, mon pote. Façon de parler, bien sûr. Quoi? Non, je vous entends plus du tout. Ne bille pas, ce sera dans le document que je te donnerai quand t'auras fini ce boulot. Moi, j'entends très bien, c'est bon. En plus, il y a les sous-titres. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette... Ah, on va en Himalaya. Le retour, ça faisait pas mal de temps. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va y faire, du coup, là-bas? La nuit où ta mère a fait le kirat, c'était chaud dehors. D'après ce qu'on m'a dit, Yuma était mêlée à ça. Si tu veux les réponses, tu dois suivre sa piste. Qu'est-ce que vous savez sur elle? C'est le commandant Skon de Pagan Min. Elle est venue avec lui de Hong Kong. Elle a de la triade dans son yin-yang. Tu sais ce que c'est, Yin Yang? Bien sûr que tu sais. Mais il y a l'air d'avoir un camp là. On va s'en prendre à un des sites de Yuma et à l'homme qui dirige. Descends-le. Et on pourra faire à Yuma tout ce qu'on veut. Yuma, attends, c'est pas. Elle dirige pas une forteresse par hasard? Empêcher les soldats de l'armée. Ouais, non, ça c'était le truc de karma. Tuer ou être tué? Ça me paraît clair, hein, voilà. Mais là, non, il y a bien un camp là au-dessus. Hein. C'est bien ce que je voyais. Là, on a une petite ville, monastère. Takash. C'est un monastère. Monastère, il reste pas grand chose. Hein. Le monastère d'Uncharted 2 en Himalaya était un peu plus fourni, hein, pour ma part, je trouve. Voilà quoi. Ah, on teste enfin le sniper du coup, parce que oui, j'avais pas pu en profiter lors du dernier épisode. Il tend. De commencer les hostilités avec. Voilà, hop, toi tu. C'est vrai que j'aurais quand même dû faire un peu de repérage avant. Parce que du coup, je me suis fait griller. Oh, mais par contre, ce sniper est magique. La magie d'un sniper qui nous one-shot autre part que la tête. C'est beau ça. Hein. Ouais, du coup, je suis vraiment parti à la vol again là, hein, c'est officiel. Pour le meilleur et pour le pire, tuer ou être tué. Hein. Il y a un mec avec une grosse batteuse là par contre. Hein. Du boucan qui fait. Un boucan pas possible. Mais toi t'es pas mort encore. Oh. Merci. Il est où monsieur batteuse, je mitraille en tous les sens là. Il y a un hélico. Oh putain, il y a un hélico. Ah non, ok, j'ai vu le mec à la batteuse. Donc lui on va essayer de le sniper plutôt. Mais il y a un hélico aussi. C'était pas prévu le coup de l'hélico, hein. Qu'on se le dise. Genre je l'ai pas eu, merde. Ah bah au moins. What? Encore? Mais au moins il a eu peur et il est parti. Ah là c'est bon. Mais il reste encore des ennemis, il y en a là au loin. Et l'hélico, s'il faut le détruire en plus, lui. Je serais pas trop enchanté par ça. Putain, mais revenez. Ok, il y en a trois là encore. Ah, la petite tête, ça passe. Eh, ils sont résistants, hein. Ils sont très résistants. Mon j'ai par balle là, je l'ai même pas vu partir. Il s'est fait dilapider le truc. Il en reste encore un là. Il est pas mort lui. Bon, je comprends plus. Hein. Ah, il avait quelque chose sur lui. Prenez un cliché du cas. Ah, c'était le lieutenant. Ok, bon, je suis tellement allé dans le toc final. Hein. Mais c'est tout du coup. Ah, oui, c'est bien ce que je pensais. Hein, parce que quand je vois qu'il y a un truc là-haut, on va y aller. Une photo de ton cadavre et tu me l'envoies. Oh putain, ils vont nous faire le coup plusieurs fois, j'en suis sûr là. Non, ce n'est pas le bon lieu, non. Non, toujours pas. Non, non, essaye encore. Oh, ça va faire chier. Oh là là. Atteignez le monastère abandonné. Ah, donc c'est le monastère qui est tout en haut.
Non, mais il va y avoir du chemin à faire, hein. Oh putain, il faut tout. Moi, je suis toujours pas en mode discret, là. Hein. Enfin, maintenant, de toute façon, hein, maintenant qu'on fait ça depuis le début, on va devoir que faire du bourrin-bourrin, hein. C'est fini, hein. Il y a plus de discrétion acceptable. Ça fonctionne bien pour l'instant, donc au final, pas préjudiciable. Oui, 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 oui. Puis-je me cacher en dessous de cette magnifique planche? Ouais, bah normal qu'ils vont pas retrouver mon corps, vu que mon corps il sera parti de l'Himalaya. Bon, mon corps lui il va bien rester là. Hein. Bon, on monte, on monte, on monte. Ah bah c'est bon, on est arrivé. On est arrivé, on frappe à la porte, ça se passe comment, hein? Si peut-être que je peux la jouer discrète là cette fois. La discrétion est de mise peut-être. Prends le sniper en main, on va voir. Identifier le lieutenant de Yuma. Où es-tu, lieutenant de Yuma, hein? Où es-tu? Mais je crois que c'est... Elle s'occupe d'une forteresse du coup. Mais c'est pas forcément une forteresse qui était à proximité au final. Je ne sais plus, je ne sais pas. Il m'a pas grillé, je crois, c'est bon. J'ai préservé... Oh bah non, j'ai rien préservé du tout. Ouais, bah dommage, hein, c'est triste. What? Ok, il me restait plus de balles. Par contre, ça c'est pas bon, ça. Oh mais, il monte, je monte, il descend, je descends. Un peu d'accord. Bah du coup, le sniper, ça fait rien. Je suis grillé, à nouveau, c'est qu'une habitude. Après, il peut pas être plus loin, de toute façon, lieutenant, parce que là, on est arrivé un peu... Bah, au sommet du sommet, quoi. Après, y a plus rien de... What? Alors, mon shoot, déjà. Ok. Mais surtout, c'est quoi toutes ces balles que j'ai mis? Ils sont très résistants, hein. Ils sont très, 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 très résistants par ici, hein. Et pas qu'un peu. Bon, au moins, je vais peut-être pouvoir retenter une discrétion. Donc, fallait peut-être plus tuer celui-là en premier, plutôt que le sniper. Ouais, bon, c'est pas trop logique, hein. Le contraire aurait été mieux. Hop. Ensuite. Il y en a quand même beaucoup là, hein, qui traînent, hein, j'ai l'impression. Je suis tout dans le bâtiment. Je pense qu'il est dans le bâtiment, lieutenant, en face. Attends, je vais passer par là. Pire pistolet. Il y a encore l'hélico là. Par contre, le pistolet, oui, lui, one shot dans la tête. Alors qu'avec la STG, bon, peut-être que la STG en même temps elle a atteint sa limite. Hein. Faudrait peut-être que je change de fusil d'assaut. Hop. Faudra voir dans la boutique. Pour l'instant, c'est pas beaucoup. C'est pas vraiment possible plutôt. Ce niveau argent, limite. Hein. Ouh! Oh là! Oh, calmos, hein! Oh la balle de snipe! Ah, elle était vilaine. Attends, on va prendre la PKM parce qu'elle, par contre, elle a des bons dégâts. Ils sont tellement nombreux là que. Elle tombe pas dans le trou! Mais où suis-je? Mais je suis où? Ok, je suis dans un bâtiment détruit, ça n'a aucun sens. Ok. Ouais. Ils sont où là? Ils sont au-dessus de moi les mecs que je vois sur la carte? Il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Ah, mais il y a surtout le sniper, attends lui. Faut se le faire. Voilà. Putain, mais les dégâts par contre c'est whiffif, enfin. Hop, on passe sur la PKM. Bon, j'ai pas d'autre choix que passer par là. Hein. Je vais quand même me mettre full life. Ok, ils sont là. Oh, mais il est résistant. Ah, mais c'était le lieutenant, ok. Tu m'étonnes qu'il était résistant, lui. Est-ce que c'est le bon? Il y a peut-être deux lieutenants dans le monastère, c'est peut-être ça le problème. What? Il y avait une grenade. Mais laissez-moi photographier le cadavre. Et je vous tuerai pas au moins. Si c'est le bon. Seulement si c'est le bon. Pourquoi ça veut pas prendre en photo? Ça veut pas prendre en photo. Ah non, faut le fouiller, c'était... Ok. C'était le bon. Putain, je suis en difficulté. Hein. Ça se voit, je pense. Ok, donc faut le fouiller. Clé. J'ai gagné une clé. C'est bien une clé, non? Oh putain, ça c'est pas bon par contre. Récupère de la vie. J'ai l'impression toujours de devoir récupérer de la vie. Je suis frêle. Je suis trop... Oh, alors là, c'est eux qui vont être frêles. Hein.
Ouais, mais sauf si je les vois pas, quoi. Je sais pas où ils sont. Ah merde, il y en avait un là, je l'avais pas vu. Ils sont bien camouflés avec leur tenue, à vrai dire. Et le dernier, il est en plein milieu, lui. Ah, il est là. Ok, là, ça doit être bon. Donc, la clé servait à quoi? Bah, ouvrir la porte, ça, je sais, mais il y a quoi, du coup, ici? Par contre, ne faites pas le coup que j'ouvre la porte, il y a des gros ennemis qui sortent des mastos. Hein. Il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, ça m'étonnerait pas. Bonjour, je suis un masto, je t'attends derrière la porte, non? Et une grotte, ok. Donc c'est pas fini. Trouver un moyen de sortir de la grotte. Alors, non. Trouver un moyen de sortir de la grotte, je suis passé par là et je suis sorti. Hein. Non mais genre, tu sais, je viens de rentrer de la grotte, ils me disent déjà de sortir. Alors que, bah, pourquoi je suis rentré alors s'il faut sortir? C'est un peu con, hein. Je vais devoir m'éclipser. Ah. Quoi? Ah bah, vas-y, laisse-moi là, abandonne-moi. Bon courage, j'en reviendrai quand tu voudras décoller. Ah bah là, il y a du masto, enfin du masto lance-flamme. Ah bah attends, du coup, on est réinfiltré là. Ça mine bien là. Est-ce que vous pensez que je peux lui mettre des gros dégâts à lui? Ok. Ça me paraît bien. Et s'il va exploser? Putain, il va même pas exploser là? Explose! Arrêtez de me tirer dessus, je vais vous sniper! Merde, j'ai plus qu'une balle, après faut recharger. Hop! Putain, y'a un sur le côté là! Oh là 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 là! Putain, mais non, mais! Oh, mais c'est trop chaud! Et après je comprends pas parce qu'on me dit d'avoir des seringues, mais des seringues je peux pas en avoir des milliers là parce qu'il faut toujours se soigner. C'est pour ça que finalement je prends même pas les seringues, j'ai un peu la flemme parce que je me dis à chaque fois mais... Ça sert à quoi? Je les utilise en 2-2 les seringues à chaque fois donc je serai à court. Même si j'achète des... Je prends les compétences pour transporter plus de seringues, je peux pas en avoir 10 millions sur moi donc quand même en fin de compte à chaque fois je serai à court quoi. C'est ça que ça change rien pour moi en fait. Après c'est peut-être faux ce que je me dis mais bon voilà quoi. C'est l'impression que je me donne hein. Monsieur lance-flamme. Ça ça devrait être bien le one shot. Ok, ça a même pas très bien fonctionné. Et là ça devrait exploser hein. Putain regardez, j'ai l'impression que ça sert à rien de tirer dans les bonbonnes. Il prend pas feu le mec. Alors bon il y a ceux d'en haut. Ok. Eh je vais être à court de munitions moi si ça continue hein. Ah, il y a encore un lance-flamme. Eh, hey, essaye de me toucher. Oh, je l'ai one-shot. Putain, mais vraiment trop puissant ce snipe. Hein. Beaucoup trop puissant. Ah, il y en a encore un autre. Ils sont combien? Non, il m'a tiré dessus quand je tirais. Bon, lui, il est un peu plus chiant. Ok, hop, on va se mettre là, récupérer de la vie. Tranquille, on prend notre temps, ça va, ça va. Prends une tyrolienne toi, vas-y. J'ai des balles par contre. Oh, je vais devoir dépenser masse en termes d'argent là après. Oh, ça va, j'en récupère un peu des balles. J'en dépense plus que j'en récupère. Ok, mais je sais pas pourquoi on est venu dans cette grotte, hein. À quoi ça servait? 57, hein, aïe. Fait pas beaucoup. Bonjour, quelqu'un peut m'indiquer pourquoi je suis là-dedans là? Qu'est-ce que je fous là moi? Qu'est-ce que je fous là? Y a même pas un truc précis à récupérer? Vachement tordu hein. What? C'est que c'est un cul-de-sac ça? Ah non ok. Y a le chemin par ici. Il vaut mieux pas être claustrophobe, ça très assez réduit comme endroit. Donc on ressort. Ah ok, donc le lieu de Nantes. Le lieutenant, donc on a un autre camp. Oh là là, mais c'est grand hein, ici, c'est très grand. Par rapport aux autres zones de l'Himalaya, rien à voir. Hein. Peut-être pas lui que j'aurais dû tuer avant, je sais pas. Bon, c'est bon, de toute façon, ils étaient que deux. Je suis pas repéré, par contre, oh là là, c'est très grand. Voilà, ça par contre, c'est efficace. Hein. Voilà. Attends, je vais le zoom. Faut pas oublier, j'ai le zoom. What? C'est quoi cette explosion là?
Ah mais regardez, one shot dans partout dans le corps là, mais qu'est-ce que c'est, tu peut-être pas dans le pied hein, mais c'était le putain d'M700 là de con. C'était vraiment de la bouse hein, comme je le disais hein. Hop. Maintenant je suis officiellement grillé parce que je crois que c'était pas encore le cas en fait jusqu'à maintenant. Mais oh, y a du lance-roquette. Non, tu crois que c'était pas le bon moment? Ah mais il était là l'ennemi, je pensais qu'il était en bas du coup. Non, 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 non. Attends, on va essayer de le tuer. Voilà, bon là je suis à cover, c'est bon. Hein. Même le genre lance-roquette, il va pas me toucher. Ah mais il y en a deux. Ah bah ça a tout pété derrière. Ah bah feu d'artifice, hein, faut fêter ça. Ok. C'est par là du coup la suite je présume. Il y a encore des ennemis là qui me veulent du mal ou... Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors j'en entends mais je sais pas où ils sont, je m'en fous un peu. Je peux pas... Non, je peux pas monter par là. What? Par là du coup, ok. Est-ce le bon chemin? Je pense que oui. Genre je vais là, hop hop hop, hop hop hop, un vrai parcours ça. Parcours du combattant. On se faufile. Et du coup le lieutenant, il est là, il est dans cette zone. Ouais, parce que là je me disais, et le lieutenant je l'ai pas tué. Par contre je suis grillé d'office, c'est pas cool. Attends c'est qui? Ah ok c'est lui à la batteuse. C'est peut-être le lieutenant, non? C'est lui, effectivement. Pas pour rien hein. Ok, donc là va bien falloir l'avoir. Voilà, parfait. J'espère qu'ils sont pas trop nombreux maintenant à côté. Plus beaucoup de balles et un peu la flemme en même temps. C'est le dernier toi. Voilà. Ouf, oh, c'est pas très élégant ça. C'est bon? Ouais, ah oui, ouais, je l'ai eu. Quand même, hein. Je viendrai te chercher dès que j'aurai mangé mon petit déjeuner. Oh. J'imagine même pas la galère pour trouver du bacon dans le coin. On est bien ici, non? Non, pas trop. Heureusement que c'est ellipsé, ça. Sinon, on resterait à attendre comme ça. Ça serait pénible. Pénible, pénible. Ok, alors est-ce que ça, du coup, ça a permis justement de d'affaiblir Yuma si vraiment elle possède une forteresse? Merci d'avoir choisi Willis Airlines, mon poussin. Ah bah, plaisir. Hein. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant sur Yuma, je suis où, là? Non, c'est pas terminé, je pense, en fait. Bon, bah, tuer ou être tué, ça c'est fait. Je sais pas, par contre, où je suis... Ah si, je suis ce côté-là. Attends, on va voir, parce que ça, ça c'est Nour. Mais Yuma, c'est ça, non? Voilà. Et sauf que celle de Yuma est pas du tout... bref, voilà quoi. Hein. C'est pas du tout au même endroit. Par contre, attends, je vois que deux tanks là sur la map. On va voir, ah, tiens, les stats en plein milieu d'épisode, c'est pas grave. Hein. Shangri-La, 2 sur 4. Ah ouais, donc il en reste plus que 2 en fait. Non, il y en a que 5. Ok. Ok, 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 ok. Sinon, points de compétence. Attends, j'ai pas des points de compétence, moi, par hasard. Bah aussi, j'en ai 7. enchaîner plusieurs exécutions, pourquoi pas. Ouais. Vite fait, hein. Vite fait. Ça, c'est quoi? Ouais. On va plutôt partir sur ça, l'exécution enchaînée. Et l'exécution grenade aussi du coup. Ok. Ah et là on a un truc aussi. Ah oui mais non c'est du coup le truc que je venais de lire. Voilà, bon bah là on est bien en termes de compétences. Du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour bah, cette fin d'épisode? Ah il n'y a même pas le temps là pour faire une autre quête en vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ah bah tiens, je sais. L'avant-poste qui se trouve ici, tiens. Allez, vas-y, on part sur ça. Et on va en profiter qu'on est dans les airs, tiens, pour y aller autant. Hein. Willis, vous avez laissé le journal au refuge de l'aéroport. Ok, très bien. Mais c'est nickel ça du coup, ouais, du coup je vais rejoindre direct l'avant-poste. On sera un épisode un peu plus court je pense aujourd'hui. Parce que bah après l'avant-poste je pense qu'on s'arrêtera là. Ah et par contre merde j'ai plus de balles. Y a pas un marchand sur le chemin. Est-ce que ce serait pas possible ça? Oh putain. Ouais.
Alors ça fait pareil que dans le dernier épisode, j'ai appuyé sur croix et à ce moment-là je suis mort, donc ça n'a pas comptabilisé. Ma tristesse est grande. Où vais-je respawn? C'est ça qui est important finalement. Oh bon bah. Le bon côté des choses, c'est que je vais peut-être aller prendre des munitions de toute façon. Ouais, on va faire ça. Ah quoique attends, je suis pas sûr en fait que je puisse récupérer des munitions ici. Ouais, qu'est-ce qu'il fout là lui par contre? Ah mais je m'en fous maintenant de vous hein. Je m'en fous hein, de vos trucs royales. Bon du coup. Allez, go à l'avant-poste hein, pour terminer l'épisode événement karma. Pas que ça qu'à faire, merci, tu dégages. Bon finalement je dis j'ai pas que ça qu'à faire mais je l'ai quand même fait. Hein. En même temps là il m'a un peu bloqué. Hein. Il m'a un peu bloqué le salibé. Putain, faudrait trouver quand même là de. Un moyen de racheter des munes, hein, parce que du coup j'ai plus rien quasiment. Normalement. Ça me serait un peu pénalisant de rien avoir. À vrai dire. Et ça drift comme jamais par contre. Là, il y avait encore un événement de karma. Le même en plus, le même. Moi je trace ma route. Je m'intéresse pas à tout ça. Hein. De toute façon, on arrive. Ici, on a. On affiche des propagandes. Ah si, 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 si. Hop, on a même de, je crois là, une seringue. Encore mieux. Alors, l'avant-poste, niveau balle, je suis bien ou pas? Ça va le faire, je pense que ça passera. Ouais, ça fera l'affaire, hein. C'est qu'un avant-poste, va pas y avoir non plus 20 millions d'ennemis. Hein. Normalement. Normalement. Ça a pas l'air bien grand par ici, hein. Là déjà, ok, on a... Ah bon, on a les deux alarmes, hein, finalement. Hop, plus direct. Je pense pas que ça m'ait grillé, quand même, de... Je suis quasiment, en fait, hein. Je suis pas grillé, c'est faux, t'as rien vu. Oh, il rush méchamment, alors, hein. Le mec, il prend même le mortier, tu sais. Il a repéré personne, mais il prend déjà le mortier, il prévoit. On va prendre ça en secondaire s'il me rush. Encore une alarme, j'en suis conscient, ouais. Putain, je vais être grillé, hein. Faut que je bouge d'ici. Et essayer justement de choper l'autre alarme, parce que celle-là, elle était un peu hors vision. Est-ce que par ici, je vais pouvoir l'avoir? Non, 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 vous m'avez pas vu. Non, 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 c'est une illusion d'optique. Attends, par là. Oh, putain. Ah si, c'est bon. Là, je vois le boîtier jaune. Yeah, c'est bon. Voilà. Au moins, il n'y a pas de danger. C'est détruit. Il n'y a que des pyromanes, là. Je suis pas grillé, en plus. Il n'y a que des pyromanes. Oh, tiens, lui. Oh, il a la tête. Hein. Ça s'est fait, par contre je crois qu'il y a des véhicules qui passent donc il y aura plus d'ennemis que prévu, non? Je crois. Non, ça n'a pas fonctionné! Bon, tant pis, hein. Ça changera pas grand chose. Oh, faisceau. Oh, mais c'est un masto qui reste. Même pas drôle. Reviens là, toi. On va le sécher, lui. Ah, mais non, c'est pas un masto, j'ai rien dit. J'ai cru, je sais pas pourquoi que c'était un masto. Voilà! 11 sur 24, hey, on est bientôt à la moitié des avant-postes. Ça c'est beau. Parfait. Est-ce qu'on a une course qui traîne ici? Ah non, mais on a un truc Fashion Week, bah tiens, on va le faire. Fashion Week du Kirat. Nouvelles activités, oui, 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 je conçois. Donc, ça on va le faire direct. Quoique, je vais quand même prendre des munes avant. Mais je vais me ruiner là, par contre, c'est sûr. Si, je vais me ruiner. Je vais être à sec. Complètement à sec. Compétence, encore. Je viens de les dépenser. Combien? Oh non, ça va en vrai, what? Comment est-ce qu'il y a si peu? Mais, bah non. J'ai que 25. Bah non, c'est pas possible. Attends, il y a une couille là, par contre. Ah non, fond insuffisant, c'est pour ça. Oh merde. Ah merde.
Ah bah oui, ça devait bien arriver ça. Hein. Il n'y a plus d'argent. J'ai peut-être l'eau dépensée dans les améliorations. Bon là, on va un peu en gagner. Enfin, attends, il me disait quoi là? Vous êtes sûr? Pourquoi il m'a dit? Attends, bah du coup, oui, merde, j'ai pas encore lu. Allez tuer le glouton, le ratel rare, demandez pas. Ah, tu as un ratel rare, demandez pas. Ok, c'est bizarre. Comment c'est formulé? Vous êtes fou? Acceptez. Un dernier mot. Monsieur Chiffon, j'ai trouvé What votre dernier modèle. C'est incroyable, sensationnel. C'est quoi ce bordel encore? Je le sens pas. Fabriqué avec un ratel. Un ratel rare, le plus féroce. Oui, je sais. C'est quoi les ratels déjà? Ils sont méchants, ils n'ont peur de rien. Je pourrais continuer, mais non. Tellement plouc, tellement ringard. C'est quoi déjà allez, les ratels? J'oubliais moi. Et tuer ce ratel. Du coup, c'était drôle quand même ce truc là, multiple validation, mais pourquoi ça? Et il y a une couille dans cette mission, c'est pas possible, pourquoi il me demande ça? Et Ratel, non, je sais pas ce que c'est, mais je sais plus en tout cas ce que c'est, mais de nom, je me dirais que c'est un petit animal. Pourquoi ici c'est en feu par contre, c'est pas bon ça? Ok, ça a la mitrailleuse légère, bah du coup, j'ai déjà la mitrailleuse légère, donc là c'est bon, non? Normalement, c'est bon, hein, j'ai pas à la ramasser. Attention, je peux pas la ramasser. C'est quoi un ratel là? Pourquoi il y a un rhinocéros mort? Et d'ailleurs, pourquoi je chasserais un animal de merde avec un... Oh, ça pue la merde ça, avec une batteuse. Oh, je sais pas ce que c'est le ratel. C'est bien, j'en ai jamais croisé en vrai, mais... Ça pue, hein, et tant de cadavres d'animaux plutôt résistants. Le ratel, il doit pas déconner, hein. Il y a des serpents en plus. Je crois que c'est pas par là qu'il faut passer. C'est quoi tous ces serpents là? Ratel il est peut-être pas par là. Hein. C'était lui le ratel? Oh non, c'est pas ça. C'est une blague. C'est un troll cette mission. Mais c'est un troll, donc oui, c'est bien un petit animal. C'est vraiment lui le ratel? Alors, ils m'ont fait peur. Hein. En mettant multiples validations, en mettant des cadavres de tout, dont un rhinocéros. Genre, c'est un ratel qui a tué le rhinocéros. Et tout ça pour ça? Eh ben, c'est ben drôle. C'est ben drôle tout ça. Oh, je s'amuse bien, dis donc. Est-ce que ça me sert par contre pour une confection quelconque, ça? Non, toujours pas. Non, tant pis. Bref, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Bah si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve bah, du coup très très vite pour d'autres vidéos, que ce soit sur Far Cry 4 ou sur d'autres jeux. Allez bye tout le monde, yeah.